Mesdames et messieurs la famille, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Comment nous y est? Moi, espérer que nous en forme. Namikwa, c'est toujours servité. Nous amis, nous merci Dieu. C'est avec même l'amour, même détermination, même respect, nous toutes gagnons pour l'autre. Toute équipe là à la ronde. Nous rentrons la caillou pour nous capables d'informer ou pour nous porter pour toute information, toute nouvelle qui a dominé l'actualité. Mais permettez-moi saluer, permettez-moi remercier toutes les amis fanatiques qui permettent le travail que nous avons fait à l'impossible. Les amis qui connectent nous dans la diaspora, et spécialement tout le monde qui connecte nous en République Dominicaine. Nous saluons et remercions ou même qui suivent nous dans tous les 10 départements pays d'Haïti, ou même qui aux États-Unis, Canada, la France, amis, Mexique, Brésil, Chili, ou même qui Porto Rico, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Curaçao, la Barbade. Zami qui en Espagne, Égypte, quel que soit à côté sous la terre bénie, et gagnons grand haïtien qui connecte nous remercions pour support, pour collaboration. Et jeudi à ce jeudi, nous vivons jeudi 2 février, et bien nous rentrons la caillou, nous pour aller informer, et nous porter pour le journal créole Mega Matin. Je nous connais non, Mega, c'est Pigo réseau radio gagné sous la terre bénie, avec staff nouvelle là, information yo sous pays d'Haïti. Wakouti, Radio Mega, Go Radio 1, l'IFE 5. 5h du matin, démarrez journée avec Mega Matin. Vous connaissez tout ce qui a passé dans la province, dans tout votre prince, dans la diaspora, à tout l'autre côté sur la terre. Mega Matin, journal créole Radio Mega, côté vérité son priorité. Mega Matin, 5h, 7h du matin, nous baille plus d'informations que tout l'autre côté. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Mega Matin. Premier journal Radio Mega qui passe sur réseau Radio Mega dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride, là, dans États-Unis. Quatrième sortie journal Mega Matin sur Antenne Radio Mega Sekounia, jeudi à ce jeudi 2 février 2023. Bonjour, bonsoir tout le monde, toujours avec même plaisir, même fougla, même détermination, bon venir servir nous. Bonjour, bonsoir avec différents collaborateurs dans les États-Unis qui ont fait travail technique. Ici en Haïti, c'est Marcel Joseph. Bonjour, bonsoir Jean-Willer Sévère. Bon la journée, jeudi, messieurs. Bonjour Blaise Peterson, bonjour Marcel Joseph, bonjour, bonsoir tout le monde. Quel problème que vous développez dans le journal là pour matin, jeudi. Très bonne nouvelle pour famille. Professeur, ancien ministre éducation Pierre Buteau, qui est une libération ailleurs mercredi 1er février 2023. Après une semaine, il passait dans mes ravisseurs, information qui confirmait pour proche lui, historien lui-même, qui joue une libération. N'a pas appelé Bladite kidnappé la Nada qui était 24 janvier 2023. Quand on est entré la Kalina, Thomas C32 et Bandit est allé ensemble avec lui. Moun, je n'ai pas arrivé à identifier tout Rigo Jean et puis kidnappé Sigel Julo qui a 71 l'année dans la zone rénale qui est dans la commune Roseau dans le département Grandance, ailleurs mercredi 1er février, bon deuxième après-midi. C'est une grosse tension dans la commune Lester, ailleurs après-midi, habitant dans la zone dénoncé à Sanélé. Base Cocorate Saras qui kidnappé un citoyen dans la zone ça, bah d'ici mes balles aller pour capable aller avec la victime. Paquet Semak invité magistrat Lian Coulant du Carmel, merci. Mercredi 8 février qu'a venu là, magistrat doit répondre à question Paquet sur relation avec un chef gang Savion Luxon Elan. N'a pas appelé dans une note vocale sur les réseaux sociaux Luxon confirmé. Le compte bail magistrat, l'agent pour bail la police manger. Recrutement la police après aussi Paquet, changement d'institution, commissaire principal. Yves Cantave, lui-même monté directeur départemental Ouest 1 pour un petit bout de temps, lui a placé la poste à commissaire divisionnaire à l'Inde, Serge Jolicoeur, qui prend tête direction départementale Nord-Est pays. Youn membre à commission médiation à quoi 21 décembre, Charles Tardieu, fait qu'on ait installation membre HCTO programmé pour commencement semaine qui a venu là, ces discussions politiques qui étaient retardées processus là. Selon Charles Tardieu, qui minimisait causé local qui a parlé pour membre HCTO, qui pour lui-même c'est
un petit détail. Sous dossier Haïti a mercredi, ambassadeur pays d'Haïti dans l'organisation sa renouvelé demande gouvernement pour joindre une assistance militaire internationale pour établir sécurité dans le pays. Pour Léon Charles, sans assistance internationale, élection pape qui a réalisé Jean Saprivoy dans l'accord 21 décembre 2022 passé. Dossier Haïti a tenu une discussion autour entre le secrétaire d'État adjoint pour Occidental, Brian Nichols, avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies pour Europlan, Miroslav Jenka, diplomate américain, fait qu'on ait discuté sur le progrès politique et sécurité en Haïti. PNH n'a pas de capacité pour combattre gang dans le pays, il faut qu'il y ait un déploiement de forces internationales pour combattre gang. C'est ça qui sortit dans une enquête diagnostic développement organisé. La parole pour AGRK, d'après ça, responsable du jeudi, faut descendre les un déploiement international pour aider la police dans matin sécurité. Pas bon ici. AGRK a organisé une conférence débat et mercredi sur la sécurité côté différents acteurs intervenus sur le phénomène sa cap départ fini société. Gérald Laborde qui a dit que j'ai cité ça quoi était nécessaire pour mobiliser la société et associer l'insécurité, ça qui dépasse les forces police là. N'a pas chance de suivre différentes interventions dans le développement journal là. SEH Global n'a pas qu'à accord annoncé à obligé fermer plusieurs autres usines côté plus passé. 3000 ouvriers prêts à aller dans le chômage. Centrale autonome de travail haïtien qui a réagi sur le dossier sa critique et entreprise ça. Qu'après décision ça au sein consulté ministère affaires sociales qui lui bail à ville avant de fermer. Fini le saisir d'il comprendre entreprise d'un cas fermé pour les à cause difficulté mais au début dédommager travail eux. Comme ça doit d'après Finolé Cécir. Pour ça, à divers autres préfets essentiels, le cas de quatrième paraître journal Mégamaté pour matin jeudi 2 février 2023. Maintenant, qui vont l'ouvrir journal avec un rubrique à traverser. Nous voyons qu'on est ce qu'on a traversé dans la région métropolitaine de Port-au-Prince pour matin jeudi si là. Bien ça ici la portée pour nous, oui, que prix manger. Nous prenons qu'on est comment ça et combien de gouttes n'a besoin pour dollars américains selon BRH. Et comment ça y est nos affaires, on dit météo à nos journal là et dans fin journal là tout n'a bien, ça nous capable dit capsule santé, une production Radio Méga. Restez là, pas tout monter bouton radio ou sur Radio Méga. J'ai toujours dit là, on va suivre 4e paraître journal Méga matin, n'a retourné dans quelques secondes. Jean, nous t'a annoncé notre site journal là pour matin, nous sommes capables de dire très bonne nouvelle pour un dit secteur éducatif là en Haïti, pour famille proche, collaborateur, collaboratrice, professeur Pierre Buteau, ancien ministre éducation nationale, côté d'apprendre hier au cours de la journée mercredi 1er février 2023, mais professeur Pierre Buteau, jeune libération, là, après elle définit passer une semaine dans mes ravisseurs, information ça qui est confirmée par un proche professeur là, historien, professeur Pierre Buteau, qui les mêmes bandits étaient kidnappés, n'a pas rappelé, la Kalina Thomas Saint 32, bandit est entré exactement dans la caille professeur. Et il était allé ensemble avec lui. Après, il finit passé 11 semaines après, alors non mais Rabiseyo, il est finalement joué une libération, mais il a fait qu'on est grand pile secteur, grand pile acteur surtout, dans le système éducatif haïtien qui ont même télévé voyou pour exiger libération. Professeur Pierre Buteau, Jean en pile nan, un directeur, ça a été dit. Professeur Pierre Buteau, ancien ministre éducation nationale, historien de profession, mais il n'y a pas goût de l'ESCO, il n'y a pas goût de l'ESCO pour ta payer pour libération. Professeur Pierre Buteau, mais finalement, hier après-midi, bandit, hier au cours de la journée, vous nous dites bien, bandit est libéré et Pierre Buteau, ancien ministre éducation, ancien, on est capable de dire, professeur historien, que ben, les jeunes libération. N'avancez là dans la question de sécurité, on a gardé ça à côté. La police nationale d'Haïti fait qu'on est là. Nous avons beaucoup de coups avec deux présumés bandits. Deux présumés bandits qui m'ont tellement blessé par agent Lordio. Il est mercredi 1er février 2023. Ça passe entre avenue Christophe et puis rue Rodin. OK, avenue Christophe Centreville, c'est là la police les mêmes n'a boucaté coup de balle avec deux présumés bandits, yo perdu la vie, yo même bandit ça yo. D'après ça la police nationale les mêmes a fait qu'on est la police a fait qu'on est que monsieur ça a été sous moto et t'es gagné une âme sur yo d'après ça qui dit bon côté
force l'audio. La police qui est déterminée pour Jean Dédian pour lui couper action bandio. D'après ça, Yodi là, d'après ça qui dit bon côté, déjà la police à France LB, non connaît qui a annoncé, qui était annoncé depuis vendredi passé, ça a relé opération Tornade 1 pour lui contrecarrer action bandio. Jean dit encore hier, il y a deux présumés bandits qui tombaient dans Boukanté Koubal avec la police, dans zone avenue Christophe à Carru Rodin, dans centre-ville à Port-au-Prince, d'après ça qui dit bon côté force l'audio. Toujours question la police, on apprend de gagner coordination presse et relations publiques, la police qui est informée, il y a un changement là, changement stratégique qui a opéré, qui continue à faire dans la police. Maintenant, DDO 1, il y a un nouveau responsable et il y a un nouveau responsable tout dans la direction départementale nord-est police. Dans le cadre de processus implémentation nouvelle mesure stratégique qui est adoptée par le commandant chef police nationale d'Haïti. On a parlé de France LB depuis lundi 30 janvier 2023. Il y a de nouveaux changements qui ont opéré dans la tête direction Yo. Mais côté gagné dans la direction départementale ouest 1 à nord-est, il y a un changement qui fait là-dedans. Nous jouons que le commissaire principal Yvon Cantave quitté commissaire adjoint directeur départemental ouest 1 qui de quitter en après, mais monsieur qui est pris en promotion là, qui vient directeur départemental ouest 1, qui donc lui vient remplacer, lui prend promotion, lui était numéro 2, qu'on a le numéro 1, qui donc c'est lui-même qui vient directeur départemental ouest 1 et pour l'instant. Il remplace là pour ça, commissaire divisionnaire Alain de Serge Jolicoeur, lui-même que lui vient remplacer là pour ça. Et lui-même là, qui semblait caler dans le départemental, qui censé aller là, dans la direction départementale nord-est, comme fonction directeur départemental. Et donc, selon ce qu'il dit là, la police à travers France LB, Jean Dian, il a annoncé, il a fait un pile changement là, qui a opéré en deux dans la police nationale d'Haïti, une façon pour y arriver, quoi, paix action. Ben, Dio, et bien, réponse avec ce qui a passé en deux pays, surtout qu'on est. Et deux gros situations attaques qui passaient, c'est ça qui passait dans la localité Métivier que c'est vers que nous connaissons, et puis dans la localité Liancourt, gens que nous connaissons, ça qui est passé côté, dans moins passé une semaine, nous capables de dire, et plus passé 10 policiers perdent la vie, sans côté c'est là qui disparaît, c'est là qui est blessé, dans l'attaque, avec armée dans Métivier avec Liancourt. Quel conseil permanent organisation État américain qui était réuni sous dossier Haïti à mercredi, ambassade des pays d'Haïti, l'organisation s'est renouvelée, demande gouvernement pour jeunes forces militaires internationales pour établir sécurité en deux pays. Pour Léon Charles, son assistance internationale à l'élection, pas qu'à réaliser, je sais, à prévoir un accord. 21 décembre, si ça, nous sommes capables de nous abonner pour nous permettre de coûter. L'intervention Léon Charles, qui est représentant un pays d'Haïti, une organisation État américain, qui, l'intervention, montre nécessité qui gagne pour capable pour autorité, mais pour international, là, capable agréer demande gouvernement pour capable gagner une assistance internationale, une force militaire. N'a pas mettre tout côté intervention Léon Charles pour plus de détails dans le cadre d'intervention. La presse n'a pas répondu à Del qui t'a parlé tout sous question et sécurité à côté de l'élection tableau noir coulant. Mais avant, nous t'avons Léon Charles sous question un militaire qui t'a parlé dans le cadre d'un conseil permanent l'organisation État américain qui t'est réuni hier mercredi 1er février. Nous avons pour nous venir avec Léon Charles qui était parlé tout. Dans le cas d'intervention, il a dressé un tableau noir coulant sous situation paysan. 3 mois après, le Premier ministre a fait demande de force internationale là. Léon Charles dit estimé la communauté internationale n'a pas comprendre l'urgence qui gagne en Haïti. Plus passé une douzaine de policiers assassinés dans moins passé un mois, bandits détruits commissariat, plus passé 2000 homicides enregistrés selon le rapport d'après Léon Charles. Voilà, on a toujours la venue avec des interventions Léon Charles, lui-même qui s'est on dit diplomate nous là dans question OEA, mais en attendant qu'on vienne avec déclaration Léon Charlio, on en vient avec information sur toujours affaires sécurité. J'ai annoncé dans le titre journal là, il y a un businessman que tout le monde connaît ce nom, Michel Gélin. Michel Gélin, que tout le monde connaît ce nom, Baby, hein, Baby, ben bandit kidnappé là hier après-midi, mercredi 1er février 2023, dans la commune Lister, qui trouvait le
qui trouvé dans le département de la Tibonite, pays d'Haïti. Ben, côté accusé gang Kokorat sans race, qui loge le qui basile. Dans la zone qui est la croix Péris, d'après ça, mais habitants dans la zone fait qu'on est, c'est Goukan, Kokorat Saint-Gaston, qui est à la base, d'après ça qui fait un subissement, non. C'est qui est Michel Gélin, que tout le monde connaît son nom, en Bébillon. Une situation, tension qui était gagnée dans la zone ça, zone la croix Péris, hier après-midi, dans la commune Lester, qui trouvait dans le département de la Tibonite. Eh bien, question qu'a kidnapping ça, qui vient à créer un pile problème dans la zone la croix Péris avec un nègre Kokorat Saint-Gaston qui décide eux-mêmes à bien problème dans la zone si là d'après et ça, il dit. Encore moins dans la zone qui va se demander avec autorité policière, autorité judiciaire, tout ensemble, chaîne sécurité payant pour y garder comment, y a pris toute disposition pour y permettre que zone ça, zone la croix Péris, sécurité, gain présence, mais policiers pour y maintenir sécurité. Ça, surtout nègre Kokorat Saint-Gaston même qui achetait zone ça là. J'en content, même j'ai avec un pilote côté nègre armé eux même décidé là, acheter un peu le côté là, là j'en content. Nous allons venir avec toujours réaction avec défenseur droits humains ça. Nous allons parler d'une responsable fondation J'éclairée, qui c'est Marie-Yolaine Gilles, qui a parlé de situation pays les mêmes sur question solution que tu as déposé avec ensemble problème que pays les mêmes là qu'on est là. Nous parlons avec Marie-Yolaine Gilles qui est un défenseur droits humains. Mais avant nous aller, après ça, nous allons retourner avec Léon Charles, mais nous permettre au côté intervention. Marie-Yolaine Gilles qui c'est un défenseur droits humains. Et qui a été parlé, nous pourrons permettre au côté intervention Marie-Hélène Gilles, qui c'est une responsable à Fondation J'éclaire. Fondation J'éclaire continue à faire diverses propositions pour Fondation J'éclaire, justement, dresser un tableau noir coulant tout, sous face à une situation insécurité qui est aptaïba dans le pays. 54 policiers tombés dans l'année 2022, il y a 15e déjà tombé pour 2023, selon Marie-Hélène Gilles, qui rappelait Douamoun monde pas suspendre violé dans le pays d'Haïti. En côté, Marie-Hélène Gilles. La justice est absente, pas de procès. Nous avons arrêté, nous avons la prison, c'est acheter, nous avons acheté liberté. C'est la violation systématique des droits humains. Droit pour nous vivre, yo, ça va exister. Ou compter jour par rapport aux troubles et puis les dominations de la politique des gangs. Le constat est clair, en moins de 2 ans, et en Haïti, nous avons connu 2 directeurs généraux à la tête de la police nationale, mais malheureusement, on n'a pas trouvé les résultats escomptés. Et les opérations également que mène la police ne donnent pas les résultats pour soulager la population. Entre-temps, les bandits de grand chemin gagnent la confiance. Ils volent, ils tuent, ils violent, et sous le regard passif des autorités étatiques. En 2022, l'année dernière, à la Fondation J'éclairée, on a dénombré environ 54 policiers tombés sur les bases assassines, donc 14 cette année. Parmi ces cas, on a trouvé des cas de détention sommaire extraordinaire qu'on ne peut pas en parler. Le 19 janvier, par exemple, 2022, des bandits armés du gang 400 Marouzo ont assassiné Jean-Islam Obouche, un commissaire de police à la Croix des Bouquets. Ils l'ont criblé de balles. Et même son véhicule et sa femme et sa fille étaient sortis blessés. Et sa femme était morte également. 18 février, ils ont kidnappé et enlevé, séquestré et décapité un policier amortissant. Jusqu'à maintenant, pas de trace du cadavre de ce policier. Le 4 mars 2022, des bandits armés ont forcé Mackinson Morton, issu de la 25e promotion de la PNH, de descendre à Mariani, un véhicule de transport en commun, là où il se trouvait, et on l'a décapité. Le 24 juillet 2022, l'inspecteur de police Réginal Lalo, tué dans l'enceinte d'une église Assemblée de Dieu à Meilleur Croix des Bouquets. Son cadavre souillé a été filmé et exposé sur les réseaux sociaux. Le 20 janvier 2023, 3 policiers ont été tués et un autre est disparu jusqu'à date par le gang de Vitellon Innocent. 25 janvier, une opération bâclée à Liancourt a causé la mort à 7 policiers. Outre cela, les multiples attaques, massacres contre la population civile,
à Kouadé-Bouké, à Cité-Soleil, à Sous-Matla, à Petit-Rivière de l'Antimonique, à Mariani et à Nord-et-Louis, à Campoufeuille. Ils sont multiples pour la population civique. Et ces massacres ont causé à plus de dizaines de morts et de femmes violées, des milliers de déplacés. Allô. Internes. Les gangs contrôlent les routes nationales. Jusque-là, aucun dépense proportionnelle par ces actes crapuleux et les autorités concernées sont incapables. La justice. Gain Fondation Géclé qui continue à faire diverses propositions pour résoudre le problème et sécurité en deux pays. Responsable du programme FJKL, qui c'est Mario Lenji, l'a proposé et renforcer l'armée d'Haïti, a augmenté l'effectif à plusieurs milliers de jeunes passés dans la police pour retirer mauvais grains ni dans le recommandement de la police. Tout d'après ça qui dit, nommer magistrat honnête dans la justice pour rendre le système justice opérationnel. Parole qui dit bon côté Mario Lenji. La justice est absente, pas de procès. Nous avons arrêté la prison, c'est acheter la liberté. C'est la violation systématique des droits humains. Droit pour nous vivre, yo, ça va exister. Ou compter jour, frère, c'est lui-même que vous avez. Ou pas de droit pour circuler, bandit, on met des barricades, on encercle nous dans le port au Brest. Nous n'avons pas un environnement propre. Nous n'avons pas le droit pour aller à l'école comme ça doit, chaque jour pays fermé, quand on m'a dit. Ou pas capable malade, ou malade, ou pas besoin de l'hôpital État pour aller. L'hôpital général, résident en grève depuis un décembre, autorité ou banalisé. C'est comme si, si vous n'avez pas corps, vous n'avez pas le droit pour des maladies. Le droit à la santé, le droit à la vie ou banalisé. Bref, en matière de droit, nous, tout indicateur est en rouge. Et nous pouvons voir une lumière d'espoir pour être capable de sortir de sa nouvelle là. Face à cette situation militaire, la FJKL, comme elle l'a toujours fait d'ailleurs dans les différents rapports et communiqués, réitère à la population des mesures à envisager, à prendre et à des mesures à envisager pour juguler cette crise sécuritaire du pays. Il faut quand même renforcer l'armée d'Haïti pour la formation massive et intensive des milliers de jeunes soldats capables de lutter efficacement contre les gangs. Il y a le problème de prolifération des gangs, c'est un problème essentiellement que les FAIH peuvent résoudre. Renforcer la police nationale d'Haïti, remaniement du recommandement, le vetting de la police et de l'armée, et puis il faut vetting également les acteurs au niveau de la justice. Il faut nommer des magistrats propres, honnêtes et crédibles au niveau de la justice. Rendre opérationnelle la justice. Depuis 4 ans, la justice a gêné. Juge Payen Bureau, tribunal vide, pas qu'il y ait des procès qui fait. Il faut renforcer également les services de renseignement au niveau de la police et des FADH. Il faut doter la police et l'armée d'Haïti de matériel qualifié et adéquat pour que au moins nous capables d'avoir des résultats. Je dis, la justice a jeûné. Nous avons besoin d'une justice qui propre, qui honnête, qui crédible, pour nous capables de combattre impunité et insécurité en dehors d'un pays. Je le dis déjà, en matière de droits humains, je dis à un Haïti, même manger, nous ne pouvons pas manger. Même vivre, nous ne pouvons pas vivre parce que banaliser les droits à la vie. Tout indicateur est rouge, donc c'est deux fois tout le monde a questionné question insécurité et droit pour nous vivre dans la société. Jean Tedjoula, nous t'aidons à bien pour venir avec Léon Charles dans le cadre du Conseil permanent de l'Organisation État américain qui était réuni sous dossier Haïti hier mercredi. Ambassade des pays d'Haïti dans l'organisation ça a renouvelé demande gouvernement pour joindre une force militaire internationale pour établir sécurité en deux pays. Pour Léon Charles, sans assistance internationale à l'élection pape qui a réalisé juste à prévoir dans le 21 décembre dans le côté intervention. Le 21 décembre prévoit la mise sur pied de deux organes durant la période intérimaire. Le Haut Conseil de la Transition, avec la mission de contribuer à la définition des orientations stratégiques des pouvoirs publics, et l'organe dénommé Organe de contrôle de l'action gouvernementale, aura pour mission d'assurer le respect des règles de bonne gestion et de transparence dans la gouvernance publique. En ce qui a trait au renouvellement des institutions démocratiques, les signataires de l'accord conviennent que les élections générales se dérouleront au cours de l'année 2023
et que l'entrée en fonction du gouvernement nouvellement élu se fera le 7 février 2024. Telles sont les grandes lignes de l'accord conclu entre les acteurs de la société haïtienne. Monsieur le Président, pour arriver aux élections prévues de l'accord, les acteurs reconnaissent à l'unanimité que la sécurité est une condition essentielle. La délégation haïtienne remercie les États membres de cette organisation qui ont contribué à aider le gouvernement à entrer en possession de matériel commandé au profit de la police nationale. Elle remercie également ceux qui ont imposé des sanctions contre ceux et celles qui sont associés au financement des gangs. Nous avons toujours arrêté avec Léon Charles qui te parlait toujours sous question insécurité à côté que les dressé un tableau noir coulant sous phénomène insécurité en pays, surtout avec dernier mois Sayo et à propos du ministère des Affaires de Mande Force Internationale là. Léon Charles dit l'estimé communauté internationale n'a pas compris l'hygiène qui vient en Haïti. Plus passé une douzaine policiers assassinés dans mon espace un mois, bandit détruit commissariat, plus passé 2000 homicides enregistrés selon Rapoyo, en côté Léon Chalion, notre fois pour plus de détails. Le concept de liberté est celui des...